奉耶稣圣名说话。我弄的香水就是饱了。首先我们感谢我们天上的真神。D'abord, nous rendons grâce à Dieu, notre Père céleste. 他又赏赐我们一个机会来一起学习本会的教义。Il nous a donné cette occasion d'étudier ensemble les doctrines de notre Église. 那我们要继续来查考这个。这个主题哦，就是独一真神。Nous continuons donc notre étude du thème Dieu unique et véritable. 我们上一次已经简单的讲了一些这个基本原则。La dernière fois, nous avons abordé brièvement les grands principes fondamentaux. 我们要查考这个神观哦，我们必须对一些。原则要清楚，而且要把握住。Donc, avant de connaître, d'étudier le concept de Dieu, il nous faut déjà bien appréhender les grands principes. 有时候我们在跟其他教基督教宗派的朋友在谈到的时候 ，quand nous discutons avec nos amis d'autres dénominations chrétiennes。因为他们被教导这个三位一体的观念。Comme ils ont déjà étudié cette notion de trinité. 所以那要跟他们直接谈的话，有时候会觉得有一些困难。Quelquefois, il nous est difficile de communiquer avec eux. 所以我们必须要先怎么说呢？先要有一自己的原则哈，能够制造一些共同点。来跟他们谈这一方面的道理。C'est pour cela qu'il nous faut appréhender les grands principes et créer des points communs pour pouvoir poursuivre la discussion. 我们比如说，我们谈过说神是一个灵，神是灵。Nous avons abordé par exemple le concept de Dieu en tant qu'esprit. 而且呢，圣经告诉我们，神这个灵只有一个，因为保罗说只有一灵。Et donc, la Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul esprit, car Paul a dit, il n'y a qu'un seul esprit. 所以从灵的观点来看，我们就知道说神只有一位。Vu l'angle de l'esprit, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. 那我们再来看一下哈、哦，这节圣经是我们看过的，我们再看一次。Nous allons réviser ce verset que nous avons lu. 好，我们看哥林多前书的第八章。Lisons Premier Corinthiens chapitre 8. 请打开哥林多前书的第八章第六节。Premier Corinthiens chapitre 8 verset 6.那这里说，然而我们只有一位神，就是父，万物都本于他。好。Il n'est qu'un seul Père de qui viennent toutes choses。所以在保罗的这个观念当中，这一位神呢，其实就是这位天上的父。Donc pour Paul, il n'y a qu'un seul Dieu qui est donc le Père céleste. 那我们知道说，除了他以外没有别神呢。Nous savons qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. 那就是说，当我们把这一位神跟其他的假神来做一个对比的时候，我们知道说，在这个宇宙万物当中，只有一位神。Et donc, quand nous établissons une comparaison entre ce Dieu unique et les autres dieux, nous savons que dans l'univers, il n'y a en réalité qu'un seul Dieu. Et nous savons que c'est le Dieu créateur de toutes choses. C'est parce qu'il est Dieu qu'il a ce pouvoir de créer.相反的，因为其他所谓的神都不是神，所以他们没有办法
创造生命，创造宇宙万物。Et c'est les autres dieux, parce qu'ils ne sont pas dieux, ils n'ont pas ce pouvoir de créer l'univers, de créer la vie, ni les choses de cet univers. On a aussi parlé que la Bible nous dit que Jésus La Bible nous dit aussi que le Seigneur Jésus se considère comme Dieu. Et si Jésus est Dieu, il est aussi le Père. Et donc, vu sous cet angle de l'esprit, pendant que Jésus était fait de chair, en esprit, il était en réalité le Père lui-même. Avant la création de l'univers, il était, Dieu était esprit. L'existence de l'univers est éphémère. Et vu sous l'angle de la Bible, cet univers est voué à la corruption. Et nous savons que dans l'éternité, Dieu est le maître et d'éternité en éternité, il est Dieu. Et parce qu'il avait besoin de venir dans le monde pour nous sauver. Cela est une source de difficulté pour la compréhension des enseignements de la Bible. 但是我们在查考这个原则的时候，我们 谈到说神是道成肉身的神。Et quand nous étudions ces enseignements, nous réalisons que Dieu est un Dieu qui se fait chair. 或者我们说这个子或者是耶稣是道成肉身的神。Ou alors nous pouvons dire que Jésus est Dieu fait chair. 当然在灵里头他就是父本身。Et en esprit, il est Dieu, le Père lui-même. 好，那从另外一个观点来看，就是说，这一位神呢，其实他原本就是义的，在他内在里面，他也是义。Et donc, vu sous un autre angle, nous savons que Dieu est un. 那就是说，他在这个神性里头啊，没有三个位格的。Et donc dans sa divinité, il n'y a pas trois entités. 因为圣经说只有父才是神。Car la Bible nous dit qu'il n'y a que le Père qui est Dieu. 如果只是神的话，他就一定是父。Donc s'il est que Dieu, il est forcément le Père. 那我们知道说圣灵也就是神本身。Nous savons aussi que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. 所以我们说这个圣灵就是父。Nous disons aussi que le Saint-Esprit, c'est le Père. 所以这样的一个理解的话，我们觉得说，如果只要把它讲清楚，那应该就不会产生很大的问题。Donc il nous faut bien expliquer ce point de vue et à ce moment-là, les problèmes sont résolus. 当然我们在跟这些相信三位一体的人在谈到的时候，Quand nous abordons cette question avec ceux qui croient dans la Trinité, ils vont avoir des questions du genre est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Est-ce que Jésus est vraiment le Père? Il nous faut donc bien expliquer à partir de la Bible. Lisons 1 Jean, chapitre 5. 我们看约翰一书的第五章。1 Jean, chapitre 5. 我们来念20节。Verset 20.
我们看约翰一书五章二十节。1 Jean chapitre 5 verset 20。我们也知道神的儿子已经来到，却将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的。我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面，这是真神，也是永生。Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Dans le verset 20, nous apprend que le Fils de Dieu est venu. 我们知道说，施洗约翰刚出来的时候，他不知道，这个耶稣就是神的儿子。Et donc Jean le Baptiste à ses débuts ne savait pas que Jésus était le Fils de Dieu. 所以呢，耶稣要约翰来替他施洗。C'est pour ça que Jésus s'est fait baptiser par Jean le Baptiste. 那我们发现到施洗之后呢，约翰就知道说，哎，这就是神的儿子。Et après le baptême, Jean le Baptiste a réalisé que Jésus était le Fils de Dieu. 我们现在来看约翰福音书的第一章。Lisons Jean chapitre 1. 我们请打开约翰福音书的第一章。Lisons Jean chapitre 1. 我们来看33节跟34节。Versets 33 et 34.约翰福音书一章33、34节。Jean chapitre 1 verset 33 et 34。我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的对我说，你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗，我看见了，就证明这是神的儿子。Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. » Amen. 那这个圣灵降下来，让约翰知道说，这个耶稣就是那以后要用圣灵来替人施洗的人。Et dont la descente de l'Esprit Saint a permis à Jean le Baptiste de comprendre que Jésus est celui qui va baptiser l'Esprit Saint. 或者说替人用圣灵施洗的那一位了。Et donc c'est lui qui va baptiser l'Esprit Saint. 那还有呢，这也证明了耶稣就是神的儿子。Et ceci démontre aussi qu'il était le Fils de Dieu. 就是说神道成肉身。Autrement dit, Dieu s'est fait chair.好，我们现在看回约翰一书的第五章。Revenons à 1 Jean chapitre 5。约翰一书第五章，我们再看二十节。Nous revenons au verset 20。那这个神的儿子来到，是要把智慧赐给那些相信他的人。Et donc le Fils de Dieu est venu pour donner l'intelligence à ceux qui croient en lui.这是什么样的智慧呢？ Quel type d'intelligence? 就是要让这些信主的人能够认识那位真实的。Afin que ceux qui croient en Dieu puissent connaître celui qui est le véritable. 那其实信主的人也在那位真实的里面。Et donc ceux qui croient dans le Seigneur sont également dans le véritable.那你如果再看下去哦，他就说就是在他儿子耶稣基督里面。Et si nous poursuivons la lecture, nous voyons qu'ils sont également en son Fils Jésus-Christ. 我们都知道，这真实的就是指着神来说的。Nous savons que le véritable représente Dieu. 我们要进入到那真实的里面。Il nous faut pénétrer dans le véritable. 那在这个约翰的解释当中啊。其实这个真实的就是耶稣基督本身，就是神的儿子。Dans l'explication de Jean, ce véritable, c'est en fait Jésus, le Fils de Dieu. 那我们这样看起来就觉得有一点奇怪啊。Peut-être que cela va nous étonner. 那为什么这个子又是那个父呢？又是那个真实的呢？ Comment se fait-il que le Fils soit
le Père est le véritable.那当时门徒所看见的那位耶稣，Et le Jésus que les disciples ont vu. 从肉身来说，他是子啊，他道成肉身。Selon la chair, il était le Fils, il s'est fait chair. 但是门徒所要进入的，不是进入到耶稣的肉身当中，是要进入到神里头啊。Et donc les disciples devaient pénétrer, ils ne devaient pas pénétrer dans ce Jésus fait chair, mais dans le véritable, dans Dieu lui-même. 就好像我们今天哈，我们说我们受洗归入耶稣基督。Un peu comme aujourd'hui, quand nous sommes baptisés, nous disons que nous sommes baptisés pour entrer dans le Christ. 那耶稣，我们进入耶稣基督就是灵嘛，所以我们说我们受洗归入到这个灵里头，进入到这个真实的里头。Puisque Jésus, Esprit, quand nous sommes baptisés, nous entrons dans le Christ, c'est-à-dire en esprit, dans le véritable. 这样看的话，我们就知道说，在灵里头，它就是这个真实的。Et donc, vu sous cet angle-là, nous comprenons que en esprit, il est le véritable. 所以约翰在教导的时候呢，他一点都不犹豫的，就说这个儿子耶稣基督就是真神，也是永生。Et c'est pour cela que Jean, dans ses explications, n'a pas hésité un seul instant et il nous explique que le Fils, c'est le Dieu véritable et la vie éternelle. 所以从这里就让我们知道说，这个道成肉身的耶稣，在灵里头就是神本身。Et donc nous voyons que Jésus, qui s'est fait chair, en esprit, il est le Dieu véritable. 我们来看这个约翰福音书的17章。Disons Jean chapitre 17. 我们看约翰福音书的17章。Jean chapitre 17. 这个是耶稣在做祷告的时候提到的。Donc c'est quelque chose que le Saint Jésus a abordé dans sa prière. 我们来看这个第3节哈。Verset 3. 好，17章的第3节。Jean chapitre 17, verset 3. 认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督。Alors,这就是永生。la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 那主耶稣在祷告的时候，他说：“认识你。”他当时是向父祷告啊。他说：“认识你，独一的真神。Et donc dans sa prière, le Seigneur priait à Dieu, dans sa prière, il disait qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. 从这个观点，让我们知道说，除了父之外，没有任何人是真神的。Donc oui, sur cet angle-là, nous savons qu'en dehors du Père, il n'y a pas d'autre vrai Dieu. 但是约翰。长老在约翰一书5章20节说：“这个子啊，耶稣基督就是真神。Et donc dans le 1er Jean chapitre 5, verset 20, nous avons vu que l'apôtre Jean a dit que ce Fils, c'est le Dieu véritable. 但是在这里呢，他说这个耶稣基督啊，是这个父所差来的。Et ici, Jean chapitre 17, verset 3, il dit que Jésus-Christ a été envoyé par le Père. 好，这里我们要注意的当圣经谈到说所差来的，就是说，他被托付了这个责任来到世上。Et donc ici, il nous faut prêter attention quand il dit il a été envoyé, ça veut dire que la mission lui a été confiée pour venir dans le monde. 但是在灵里头，他还是父本身，就是神本身。Mais en esprit, il est quand même le Père lui-même et Dieu lui-même. 所以，如果我们这样去理解的话，我们就不会怎么说呢？不会产生一个很大的疑问呢、Et donc, si nous comprenons de cette manière, il n'y aurait pas de doute en nous. 那我们注意到说，这个保罗在教导有关耶稣基督的时候，他的这个理解跟约翰也是一样的。Quand nous lisons les enseignements de Paul, il livre les mêmes enseignements que Jean.
我们来看这个罗马书的第九章。Disons Romains chapitre 8. Romains chapitre 9. 我们来念这个第五节哈。Verset 5. 我们看第五节，那列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的，他是在万有之上，永远可称颂的神。阿门。Romains chapitre 9, verset 5. Les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. 好，我们在谈神观的时候，我们有说从灵的观点来看，跟从肉，这个肉身的观点来看啊。Et donc, quand nous abordons le concept de Dieu, nous pouvons voir d'abord selon la chair et ensuite selon l'esprit. 啊，那这里呢，保罗在谈的时候，他说按肉体说。Donc ici, Paul dit selon la chair. 啊，那他是从他们出来的，就是从这个犹太人这一条线出来的。Donc il est issu de la descendance des Juifs. 啊，那从既然是从犹太人这里出来，当然就是人呢。啊，puisqu'il est issu de la descendance des Juifs, bien sûr c'était un être humain. 啊，那奇妙的，但同时呢，他也是在万有之上，那永远可称颂的神呢。Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il est en même temps au-dessus de toutes choses, le Dieu béni éternellement. 啊，那当然，这个就要从灵的观点来去看了。Bien sûr, à ce moment-là, il faut le comprendre sur un plan spirituel. 啊，所以我们可以这样讲啊。Nous pouvons dire ceci. 啊，在肉身，耶稣道成肉身哦，他就是人。Donc sur le plan de la chair, puisque Jésus s'est fait chair, il est donc un être humain. 那在灵里头呢，他就是神。Et en esprit, il est Dieu. 有人会这样问呢。Peut-être que certaines personnes vont poser cette question. 那如果这个父在耶稣里头。Puisque le Père se trouve dans Jésus. 那天上还有神吗？Est-ce qu'il y a encore Dieu dans les cieux? 我们要知道说神是无所不在、无所不能的神。Nous savons que Dieu est omnipotent et omniscient. 他能够同时在 omniprésent. 同时在天也在地。Il est donc à la fois dans les cieux et sur terre. 我们来看这个约翰福音书的第三章。Lisons Jean chapitre 3. 我们请打开约翰福音书的第三章。Lisons Jean chapitre 3.第三章的十三节。Jean chapitre 3, verset 13. 约翰福音书三章十三节。Jean chapitre 3, verset 13. 除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.那这里其实要告诉我们说，神是无所不在的，而且在灵里头哈，那个神是不能够被分隔的。Et donc ce verset nous permet de comprendre que Dieu est omniprésent et que en esprit il ne peut pas être divisé. 所以我们知道说哈，他在肉身的时候，这个父完全在他里头。Et donc pendant qu'il était chair, le Père est vraiment en lui. 好，我们来看主耶稣怎么讲这件事情。Nous allons voir comment le Seigneur Jésus voyait ces choses. 我们来看这个约翰福音书的十四章。Lisons Jean chapitre 14. 我们请看约翰福音书的十四章。Lisons Jean chapitre 14. 我们来念第九节跟第十节。Verset 9 et 10. 九节。Verset 9. 耶稣对他们说：“腓力，
我与你们同在这么长久，你们还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» 好，那当时啊，这个腓力啊，要耶稣啊，把父显给他看。Donc Philippe voulait que le Seigneur lui montre le Père. 耶稣说，你跟我这么久，你还不认识我吗？ Donc le Seigneur a répondu,Il y a si longtemps que tu me suis, tu ne m'as pas connu. 那你在看耶稣在讲的时候，他重点是放在他自己的身上，你还不认识我吗？ Et donc, quand on voit la conversation avec le Seigneur, l'accent est mis sur lui-même. 所以他说，人看见了我，就看见了父。Celui qui m'a vu a vu le Père. 就是说父其实是住在他里头啊。Autrement dit, le Père demeure en lui.他所作所为所讲的就是好像父在讲在做一样。Donc tout ce qu'il disait et tout ce qu'il faisait, c'était un peu comme si le Père faisait tout cela. 我们现在来看第十节哈。Lisons maintenant le verset 10. 我在父里面，父在我里面呢，你不信吗？ Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? 那他说，我对你们所说的话不是凭自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. 这个时候呢，耶稣还没有受苦受难的。À ce moment-là, le Seigneur n'a pas encore souffert. 他还没复活。Il n'a pas encore ressuscité. 他说父是住在他里头。Et il disait que le Père demeurait en lui. 这个父所做的事情，在他里头所做的事情，就是父的事情。Donc tout ce qu'il accomplissait, c'était le Père qui était en lui, qui les accomplissait. 有人也会这样问。Peut-être que certaines personnes vont poser cette question. 那我们信主的人都得到了圣灵。Nous qui sommes croyants, nous avons reçu l'Esprit Saint. 那是不是父住在我们里头呢？Est-ce qu'à ce moment-là, le Père demeure en nous? 那我们知道说圣灵就是父。Nous savons que le Saint-Esprit, c'est le Père. 当然父是住在我们里头啊。Bien sûr, à ce moment-là, le Père demeure en nous. 那人会这样说，如果是这样的话。Et donc, les gens vont continuer en disant. 那我们也是神哦。À ce moment-là, nous sommes Dieu. 但是我们要先把这个耶稣道成肉身。这件事情先搞清楚。Donc, il nous faut déjà comprendre ce point de vue de Jésus fait chair. 耶稣是神道成肉身。Le Seigneur Jésus est Dieu fait chair. 成为人了哈。Il est devenu un être humain. 父住在他里头是为了要成就这个救赎的工作。Donc, si le Père demeure en lui, c'est pour accomplir cette œuvre du salut.那现在圣灵住在我们里头。Maintenant le Saint-Esprit demeure en nous. 圣灵在我们里头的功用不是要我们来完成这个救恩的工作，就是被钉在十字架上的这一个工作。Et le Saint-Esprit qui demeure en nous n'est pas là pour accomplir l'œuvre du salut, c'est-à-dire que nous allons être crucifiés pour accomplir le salut. 根据约翰福音书来看。D'après le livre de Jean.圣灵住在我们里头。Si l'Esprit Saint demeure en nous. 是为了要来安慰我们。C'est pour nous consoler. 其实这个安慰就是要让我们最后能够成圣，把罪除掉。Et donc, cette consolation consiste que à nous rendre, à nous permettre d'être sanctifiés. 那还有圣灵，还有圣灵住在我们里头是要来教导我们。Et l'Esprit Saint demeure en nous aussi pour nous enseigner. 就是要让我们能够进入到真理当中。Pour nous conduire dans toute la vérité. 来完成神的旨意，就是来宣传神国的福音，建立神的教会。Pour accomplir la volonté de Dieu, c'est aussi de propager les enseignements de l'Évangile et d'établir l'Église de Dieu. 这个差别就在这里的哦。Voilà la différence.
所以主耶稣在世的时候 et pendant que le Saint Jésus était sur terre, 那我们知道说他就是人 qu'il était un être humain, 他也同时是神 il était également Dieu. 我们来看以赛亚先知怎么说 voyons ce que disait le prophète Esaïe. 我们看这个以赛亚书的第九章 Esaïe chapitre 9.请打开以赛亚书的第九章。Esaïe chapitre 9。我们来念这个第六节。Lisons le verset 6。九章六节。Esaïe chapitre 9 verset 6。以赛亚先知被圣灵感动之后，说了这一番话。Donc, le prophète Esaïe était touché par l'Esprit Saint et il a dit ceci. « 因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。» Donc en version française, c'est le verset 5. Esaïe chapitre 9 verset 5 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. 那这里有谈到说，一婴孩为我们而生。Ici, on nous explique qu'un enfant nous est né. 我们当我们谈到生的时候，就当然就是一个人出生，就是说这个出生的这个小孩是一个人呢。Et donc, quand nous parlons de naissance, il s'agit d'une naissance. Donc, celui qui est né est forcément un être humain. 根据以赛亚的这个预言，这一个子呢，会有政权要赐给他。D'après la prophétie d'Ésaïe, à cet enfant, une souveraineté va lui être donnée. 他的名叫什么呢？Quels seraient ses noms？当时我们发觉说，以赛亚先知啊，没有把他的真名讲出来。只是把他的名的含义完全的这个清楚的这个论述出来。Et donc on voit que le prophète Esaïe n'a pas donné son véritable nom, mais a donné son nom avec ses significations. 所以他的名叫奇妙测试，而且这里是说全能的神，永在的父。Et donc, il était admirable, conseiller, et surtout Dieu puissant, Père éternel. 那我们就想说，这个婴孩是谁呢？ Donc, on peut se poser la question de savoir qui est cet enfant. 我们知道说是耶稣啊。Nous savons que c'est Jésus. 所以，但是在灵里头，他就是永在的父。Mais en esprit, il est le Père éternel et le Dieu puissant. 好，那有些人会这样讲哈。Certaines personnes vont dire. 难道耶稣诞生的时候，这个小孩就是神吗？ Est-ce qu'au moment où il est né, il était Dieu? Cet enfant était Dieu. 那我们知道说神道成肉身。Nous savons que Dieu s'est fait chair. 圣经没有说这个道成肉身的神在什么时候才是神。La Bible ne nous a pas précisé à quel moment cet être humain qui est Dieu fait chair, à quel moment il est devenu Dieu? 他道成肉身之后 une fois qu'il s'est fait chair, 在他里头的就是神啊。En lui se trouve Dieu. 好，我们现在来看几节经文哈。Nous allons lire quelques versets. 我们来看路加福音书的第二章。Luc chapitre 2. 我们请看路加的第二章。Luc chapitre 2.好，我们先来看这个第十二节 ，verset 12。第十二节哈 ，Luc chapitre 2 verset 12。好，你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那路加哈 ，No Luc chapitre 2。对不起，是十一节。Pardon, c'est verset 11。十一节。Donc, Luc chapitre 2, verset 11。因今天在大卫的城里为你们生了救主啊，
就是主基督。Aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 好，那我们在看的时候，这里并没有说生了一个小孩，将来成为救主，并没有这样说。Donc, quand on lit ce verset-là, on n'a pas, il nous est pas dit que il vous est né un enfant qui sera le sauveur. 而且这里是说呢，生了救主，这个生出来的就是救主本身。Et donc, il vous est né un sauveur. Autrement dit, celui qui est né, c'est le sauveur lui-même. 而且说，这就是主基督。Et en plus, il est complété par qui est le Christ, le Seigneur. 所以从这里就让我们知道说 ，ceci nous permet de comprendre. 这个救主生出这个耶稣被生出来的时候，其实他就是救主本身。Donc, au moment même où il est né.Ce Jésus est le Sauveur lui-même. 我们再来看本章的二十六节哈，二章的二十六节。Lisons dans le même chapitre le verset 26, Luc chapitre 2, 26. 这里是谈到说这个西面他所讲的话。Ici c'est un propos de Siméon. 好，我们来看，他得了圣灵的启示，知道自己未死以前必看见主。所立的基督。Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. 那他是什么时候看见这个主所立的基督呢？ À quel moment il a vu le Christ du Seigneur? 就是耶稣诞生之后。C'est une fois que Jésus est né. 并不是耶稣出来工作的时候他才看见的。Et il n'a pas vu le Seigneur au moment où il commençait son ministère.所以我们可以这样说。Donc, nous pouvons dire ceci. 耶稣在世的时候，他是人。Pendant qu'il était sur terre, Jésus était un être humain. 那他在灵里头啊，就是父本身。Et en esprit, il était le Père lui-même. 而且主耶稣基督自己也把这件事情讲得非常的清楚。Et le Seigneur lui-même avait bien expliqué cela.是父住在他里面。C'est le Père qui demeure en lui. 好，我们再来看这个哥罗西书。Lisons Colossiens. 我们请打开哥罗西书的第一章。Lisons Colossiens chapitre 1. 我们来看这个十九节。Colossiens chapitre 1 verset 19. 然后我们再念第二章的第九节。Ensuite verset 2, verset, chapitre 2 verset 9.哥罗西书一章十九节。Colossiens chapitre 1 verset 19. 因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。Car il a plu à Dieu de faire baptiser, de faire habiter en lui toute plénitude. 所以这个一切的丰盛是包括神一切的丰盛都居住在耶稣基督里面。Dans toute plénitude comprend toute la plénitude de Dieu et Dieu lui-même qui habite dans le Christ. 就是神一切的这个神性的完全的神都在耶稣基督里头。Et autrement dit, Dieu dans toute sa divinité habite dans Jésus. 好，我们再来看这个第二章。Colossiens chapitre 2. 好，那哥罗西书第二章的第九节。Verset 9. 因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在耶稣居住在基督里面。Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc en lui, en chinois, c'est marqué en Christ. 我们知道说这个神本性的一切那我们上次也讲过了，这就是那个the fullness of the Godhead 那个神的一切的这个神性 Godhead 都在耶稣基督里面。Et donc nous avons expliqué la dernière fois que toute la plénitude de la divinité en anglais Godhead c'est toute la divinité habite en Jésus. 好，我们可以这样说哈。Nous pouvons dire ceci. 当我们看到子跟父有差别的时候。Quand nous voyons une différence entre le Fils et le Père.
其实不是在灵里头有差别。En réalité, il n'y a pas de différence en esprit. 是肉身跟灵的一个差别而已。En réalité, il n'y a qu'une différence entre la chair et l'esprit. 但是在灵里头呢，耶稣就是神本身。Et en esprit, Jésus est Dieu lui-même. 那我想说，如果我们能够抓住这几个重点呢，那我们在念这个圣经的时候，就不会觉得说，哎，为什么有时候神说他是子，耶稣有时候说他是子，又说他是父呢？Et donc, si nous arrivons à bien appréhender ces notions de base, à ce moment-là, quand nous lisons la Bible, nous n'aurons pas de problème quand nous voyons que parfois le Seigneur Jésus dit qu'il est le Fils et parfois il est le Père. 所以其实在圣经里头，我们可以清楚知道说，比如说耶稣就是圣灵，耶稣也就是父本身。Et c'est pour cela que dans la Bible, nous voyons que le Seigneur Jésus est le Saint-Esprit et il est aussi le Père lui-même. 那其实哈，这个在约翰福音书里头有讲的非常的详细的。Et tout cela est bien expliqué dans l'Évangile selon Jean. 所以我们下一节课哈，我们会花一点时间来去讲这个重点。Et dans la prochaine session, nous allons passer un peu de temps pour bien éclaircir ce point. 那但是我们要知道说，当耶稣受苦的时候。Nous devons comprendre qu'au moment de, au moment où le Seigneur Jésus allait souffrir. 我们说他受死的时候呢。Et donc au moment où il allait goûter à la mort. 当然是他的肉身死了。Et c'est sa chair qui est mort. 其实我们会到说，他肉身死是因为他把灵魂交付给神。Et si son être en tant qu'être humain il mourait, c'est parce qu'il a rendu l'âme à Dieu. 好，我们来看这个约翰福音书的第十章。Lisons Jean chapitre 10. 我们请打开约翰福音书的第十章。Jean chapitre 10. 好，我们念十七、十八节哈。Versets 17 et 18. 约翰福音书的第十章十七跟十八节。Jean chapitre 10, versets 17 et 18. 我父爱我，因我将我命舍去，好再取回来。Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. 其实在这里让我们知道说是耶稣基督自己愿意把命舍去的。Ici, nous voyons que volontairement, ici,le Seigneur Jésus accepte de donner sa vie. 当然因为这是神的命令，这是神要他做的一件事情。Bien sûr, il s'agit d'un ordre de Dieu, c'est ce que, quelque chose que Dieu lui demandait de faire. 但是呢，这里说他是可以再取回来的。Et ici, nous voyons qu'il est aussi capable de la reprendre. 这个肉体的生命，死了之后，耶稣还可以再取回来。Donc cette vie liée à la chair, une fois qu'elle est donnée, le Saint Jésus peut la récupérer. 好，那我们先念十八节，我们再倒回十七节，我们再来解释十七节。Nous lisons d'abord le verset 18, ensuite nous revenons au verset 17 pour l'expliquer. 没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从父所受的命令。Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. 好，我们如果在看这个主耶稣在钉十字架的时候， et donc mon Seigneur Jésus a été crucifié. 他在约翰福音书第十九章。Dans Jean chapitre 19. 我们知道说他先低下头，然后再把灵魂交付给神。Nous savons qu'il a baissé sa tête, ensuite il a rendu l'âme. 这是他舍去的嘛。Donc il a donné sa vie. 根据第十章呢，他是有这个权柄可以取回来呀。D'après Jean chapitre 10, il a le pouvoir de récupérer. 我们就想说，人死了怎么会有权柄再取，把自己的生命再取回来呢，让自己复活呢？ Et donc on se dit, un être humain qui est mort, comment se fait-il qu'il ait le pouvoir de reprendre la vie pour ressusciter? 那当我们在念这个罗马书的时候， Et quand nous lisons Romains,
我们就知道说，其实这个耶稣能够再复活，得到这个肉体的生命，其实是圣灵的工作。Et donc, si le Seigneur Jésus, une fois que sa chair est morte et qu'il peut récupérer l'esprit, qu'il peut récupérer la vie, c'est en fait l'œuvre du Saint-Esprit. 好，我们来看罗马书的第八章。Lisons Romains chapitre 8. 好，我们来念这个11节。Romains chapitre 8, verset 11. 八章的11节。Romains chapitre 8, verset 11. 然而叫耶稣从死里复活者的灵都住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. 这里让我们知道说，这个是圣灵叫这个耶稣复活。Et nous voyons ici que c'est l'esprit qui opère pour ressusciter le Christ. 耶稣能够再把生命取回来，是因为圣灵的这个缘故。Et si le Seigneur Jésus peut reprendre la vie, c'est grâce à l'Esprit Saint. 当然，这也代表说以后我们呢，能够从死里复活了，也是因为圣灵的缘故。Ceci signifie que plus tard, quand nous ressusciterons, c'est aussi grâce à l'Esprit Saint. 那从这里就让我们知道说，这个圣灵其实就是耶稣。Ceci nous permet aussi de comprendre que le Saint-Esprit, c'est également Jésus. 因为耶稣说他要把自己的生命取回来。Puisque le Seigneur disait qu'il va reprendre sa vie. 其实就是圣灵让他复活，这个肉身复活。En réalité, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité son enveloppe charnelle. 那我们也知道，这个灵就是父本身。Et nous savons aussi que le Saint-Esprit, c'est le Père lui-même. 就是神让他复活。Et c'est Dieu qui l'a ressuscité. 好，那我想说，我们这一节就讲到这里。Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette session.我们现在一起来祷告，感谢神。Nous allons maintenant prier ensemble pour rendre grâce à Dieu.